Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je souhaite ce soir vous parler de ma propre vie, de ma vie de famille, ou plutôt de ma jeunesse. Je viens d'une famille paysanne palestinienne, chrétienne, composée de 6 frères, 2 sœurs, un père et une mère. Une famille simple, pauvre. Nous avons vécu dans une seule chambre. 5 mètres sur 5, qui nous servait de chambre pour dormir, pour accueillir les gens, pour manger et même pour faire notre bain hebdomadaire. Mon père est un orphelin de père et de mère. Son grand-père a décidé de le marier à une fille qui soit plus solide que lui pour le soutenir. Elle a choisi pour cela une de ses cousines, qui était de 2 ans plus âgée que lui. Cette cousine n'aimait pas mon père, mais elle a été contrainte de l'épouser. Étant catholique, le mariage a eu lieu à l'église. Le curé pose la question à ma mère, Rebecca, est-ce que tu acceptes d'épouser Awad? Rebecca, c'est Refka en arabe. Refka, est-ce que tu acceptes d'épouser Awad? Elle ne répond pas. Le curé a pensé qu'elle n'avait pas entendu. Il répète la question. Là, de nouveau, elle ne répond pas. Quelqu'un de derrière la pousse et lui dit, cette fois, tu diras oui. Le curé donc pose la question pour la troisième fois. Rivka, est-ce que tu acceptes d'épouser Awad? Et Rivka, alors âgée de 16 ans, répond au curé, mais que venons-nous faire ici, sinon? Marie-nous et tais-toi. Imaginez une fille de 16 ans avec un jeune homme de 14 ans dans une église pleine qui tient tête au curé et qui lui répond. Mais que venons-nous faire alors? Marie-nous et tais-toi. Et l'expression est connue dans tous les villages. Chalel ouskout. Chalel ouskout, en dialecte palestinien, signifie célèbre le mariage et tais-toi.
Rivka et Awad ont eu 10 enfants. Deux sont morts en bas âge. Ils ont vécu pauvrement. Comme je vous ai dit, nous avons vécu 10 dans une seule chambre. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience avec ma maman et mon père, puisque à l'âge de 11 ans, j'ai quitté ma famille pour aller dans un séminaire près de Bethléem afin de devenir prêtre. Pour une raison ou une autre, j'ai été renvoyé du séminaire après 4 ans d'études. Je passe sur le reste de ma vie. J'ai obtenu une bourse pour venir en Suisse. Je fais des études et j'ai occupé le poste de responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé pendant 29 ans. En tant que juriste, j'étais souvent confronté à des divorces. Les avocats nous posaient des questions, de même que les tribunaux. Et des couples venaient me consulter concernant des procédures de divorce. Après de longues années en Suisse, je suis rentré dans ma famille en Palestine pour rendre visite à mes parents. Le curé du village est venu nous rendre visite, comme d'habitude, pour me dire la bienvenue dans le village. Nous étions assis devant la maison, toujours une seule chambre. Le curé me pose la question suivante. J'ai entendu qu'en Suisse, il y a des divorces. Je viens d'une famille catholique avec un mariage catholique et donc le divorce est inconnu. Il n'y a pas de divorce dans ma communauté. Le curé, qui n'a probablement jamais quitté le pays et qui pourtant a fait de longues études avant de devenir curé dans le même séminaire que j'avais fréquenté quand j'étais jeune. Donc le curé me pose la question, est-ce vrai qu'en Suisse il y a des divorces? Ma maman était assise à ma gauche, le curé à ma droite. Et la maman écoutait attentivement. Je réponds au curé que malheureusement, la Suisse connaît un taux élevé de divorces. Presque la moitié des couples finissent par se séparer. Le curé, un peu attristé, me dit, et qu'en penses-tu? Je lui dis, forcément, je ne suis pas en faveur du divorce, mais que faire? On ne peut pas forcer les gens à rester ensemble.
Ma maman m'entend. Elle me tape sur les genoux et me dit, qu'as-tu dit? Est-ce que tu peux répéter? Sa manière de poser la question était claire. Elle n'était pas d'accord avec ma réponse. Je lui dis, maman, s'il y a deux conjoints qui ne s'entendent pas, pourquoi faut-il qu'ils restent ensemble? Ne serait-il pas mieux qu'ils se séparent au lieu de se déchirer à la longueur des jours, des mois et des années? Ils ne s'aiment pas. Pourquoi faut-il qu'ils restent ensemble? Ma maman entendant le mot aimer sursaute. Tu dis quoi, mon fils? Ils ne s'aiment pas. Comment? Que signifie le mot aimer? Mais maman, ils ne s'entendent pas. Ils se disputent à la longueur de la journée. Bref, ils ne s'aiment pas. Elle me dit, mais ça signifie quoi aimer, mon fils? Ça signifie quoi aimer? Écoute, mon fils, me dit-elle. Si tu permettais le divorce dans notre village, la moitié des couples se détruiraient. Et ainsi, tu détruirais des familles. Qui va s'occuper des enfants? Écoute, mon fils. Eh bien, non. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon fils. Aimer ou pas aimer, ça n'a aucun sens. Ils doivent rester ensemble jusqu'à leur mort. Après tout, ils se sont engagés à vivre ensemble et ils doivent rester ensemble pour sauvegarder la famille et pour protéger les enfants. Faut que tu réfléchisses bien aux conséquences du divorce. Inutile de vous dire que ma maman n'est pas docteur en droit. Elle est même analphabète, pour tout vous dire. Elle n'a jamais été à l'école. Mais c'était sa manière de voir les choses. Elle ajoute, écoute mon fils, sachant que je suis marié avec une Suissesse et qu'en Suisse il y a le divorce, elle me dit, écoute mon fils, si j'entends que tu divorce avec ta femme, sache que je suis morte. Écoute, mon fils, quoi que te dise ta femme, fais-le. Si elle te dit de marcher sur quatre pattes, eh bien, fais-le. S'il te dit marche sur ta tête, eh bien, fais-le. Accepte tout ce qu'elle te demande, mais la seule chose à laquelle tu dois désobéir,
sur le divorce. Tu ne dois jamais accepter le divorce. Tu m'entends bien, mon fils? Si une fois j'apprends que tu es divorcé, eh bien moi, c'est terminé pour moi. Je serai comme morte pour toi. Après une courte visite au village, je suis rentré en Suisse. J'ai continué mon travail de juriste. Mais cette histoire m'a beaucoup marqué. Et lorsque des Suisses venaient chez moi pour me demander conseil concernant leur divorce, je leur disais, écoutez, à vrai dire, c'est votre problème, mais puisque vous venez me consulter, alors je vous dirai la chose suivante. Allez avant tout convaincre ma maman. Et si vous arrivez à la convaincre, revenez chez moi et je vous donnerai les conseils que vous voudriez. Le couple était surpris de ma réponse. Mais ta maman, elle est où? Je dis, elle est en Palestine. Mais elle est juriste. Mais non, c'est une analphabète, une paysanne qui ne sait ni lire ni écrire, une vieille femme. Et tu veux qu'on aille la convaincre? Je dis oui. Eh bien, si vous arrivez à la convaincre, vous revenez chez moi et je vous aiderai. Mais messieurs, nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas en Palestine. Je dis, j'y peux rien pour vous. Malheureusement, ma maman n'est pas d'accord. Alors, avant que je vous aide, allez convaincre ma maman et par la suite vous revenez et je vous écouterai. Je me rappelle d'un repas de famille par terre, parce qu'on mangeait par terre avec un seul plat, tous assis autour de ce plat. Mon père nous raconte l'histoire de son mariage avec ma maman. Et il nous raconte ce qui s'était passé à l'église lorsqu'elle avait 16 ans et lui 14 ans. Et après avoir raconté l'histoire de la maman qui refuse de dire oui, et qui, après une troisième fois, le curé lui dit, Rivka, est-ce que tu acceptes d'épouser Awad? Elle lui répond, mais que venons-nous faire ici? Célèbre le mariage et tais-toi. Tchallel ouskout. Et le père ajoute, vous voyez mes enfants, votre maman jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas dit oui. Jusqu'à aujourd'hui, votre maman n'a pas dit oui. Et si vous me demandiez si j'aimais votre maman, en mon âme et conscience, je vous dirai non, je ne l'aime pas. Nous étions surpris. Notre vieux papa se rappelle de son jour de mariage quand il avait 14 ans et ma maman 16 ans. Après avoir
racontait cette histoire, il ajoutait: Voyez-vous, je n'aime pas votre maman. Mais si je devais faire le tour de la terre 10 fois, je ne trouverais pas une femme meilleure qu'elle. Donc il disait, je n'aime pas votre maman. Mais si je devais faire le tour de la terre 10 fois, je ne trouverais pas de femme meilleure qu'elle. Sacré papa. Il a vécu des années et des années avec sa femme, sans l'aimer. Il a fait 10 enfants avec elle, sans l'aimer. Mais réaliste, il dit, si je devais faire le tour de la terre 10 fois, je ne trouverais pas une femme meilleure qu'elle. Eh bien, ici en Suisse et ailleurs, il y a des couples qui se forment et se défont, ou se déforment, si j'ose dire, sans tenir compte des conséquences de leurs actes. Mariage, divorce, cohabitation, des enfants et tout cela, et malgré cela, d'un trait de crayon, elles cassent leurs unions. Et puis, chacun part de son côté, sans se soucier des conséquences. Ce sont des gens gâtés qui ne veulent pas assumer les conséquences de leurs engagements. À la première difficulté, ils lâchent. Ce sont des lâches. Au lieu d'assumer, qui n'a pas de problème, mais toute personne a des problèmes. Mais la vie ne se fait pas comme ça. Devant un problème, ça ne sert à rien de tourner le dos au problème. Aimer, pas aimer, ce n'est pas important. Tu t'es engagé, tu assumes et tu mesures les conséquences de tes actes, surtout pour les enfants. Je souhaitais raconter cette petite histoire de ma vie pour X raisons. Mais peut-être fera-t-elle réfléchir certains de mes auditeurs. Je vous parle en tant que juriste, même professeur d'université, mais je me rappelle de ce que m'a dit ma maman analphabète, qui m'a beaucoup appris. Qui m'a appris le courage à affronter la vie. Peut-être je reviendrai vers vous avec une autre histoire de ma maman. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine. Au revoir.